俺の偽りのない全力のサッカーをみんなに見せつけてやる。俺のプレーで全世界を驚かせてやるんだ。J'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots. J'espère que cette petite intro Bellini, Samba de Janeiro, vous a plu. Voilà, on est là, le maillot du Brésil, le blanc en plus, comme le maillot du Real de notre Naturezza. Donc en plus, floqué Naturezza. Bon, je vais pas vous le montrer. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ouais, je suis un petit peu excité, les amis. Le Super Dream Fest, magnifique, magnifique image. D'ailleurs, c'est la miniature de la vidéo avec les petites. Voilà, les petits carrés, etc., avec les rate-up et tout. Parfait, les gars, parfait. C'est Letko, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu du lourd. Je sais que je fais ma vidéo, il est 17h quasiment pile. Donc, comment on va se présenter la vidéo? Bien évidemment, on va analyser les joueurs. Je vais vous mettre peut-être quelques illustrations d'SP. Bon, pas toutes, parce que bon, la frappe de Naturezza et la frappe de Tsubasa sont dispo sur la chaîne YouTube de Club. Donc je vous laisse checker, aller voir ça, tranquille. Par contre, le dribble de Naturezza et le passif de Tsubasa, pour comprendre le passif de Tsubasa, parce qu'il est inédit, le créateur d'occasion, qui va pouvoir bouger le joueur qui va recevoir la passe. Donc voilà, on va essayer de comprendre ensemble comment ça se décompte tout ça. C'est l'anniversaire, voilà, c'est terminé. On est le 31 décembre 2020, donc dernier jour de 2020, année très compliquée. Même personnellement, pour moi, j'ai eu des petites galères dernièrement. Bon, voilà, jusqu'au bout du bout, jusqu'au dernier jour. 2020, il a dit, Letko, je vais te faire chier. Espérons pas dans cette vidéo. Espérons pas dans cette vidéo. C'est parti. Allez, donc j'ai mis le maillot blanc du Brésil. En plus, il a un maillot un peu porte-malheur. Je vous laisse checker. Tapez maillot blanc Brésil histoire, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Attendez. On va baisser un peu le son. Ouais, parce que des fois, le son est un peu fort du jeu. Donc, je vais peut-être, même si c'est pas grave, même si c'est trop bas, c'est pas grave. Voilà, il est là. La légende de Catalogne. Par contre, là. Le tir de Tsubasa, c'est pas un tir puissant, c'est un tir un peu plus technique, un peu comme il ressemble beaucoup au tir de Diaz Rising Sun. Vous voyez quand il lobe le gardien avec le coup du scorpion, etc. Donc voilà. Donc là on va voir les récompenses. Voilà, Happy New Year. Pendant 15 jours, on va avoir des récompenses, des ballons, des Dream Ball. Voilà, le 9e jour, il y aura des Dream Ball. Jusqu'au 17 janvier. Voilà. Et plus un petit ballon. Tu vois, quand tu feras tes petits matchs amicaux, etc., ou tes events comme Mi, Chatsushi, Bejito, la bise au frérot, eh ben vous allez pouvoir changer le ballon et enlever enfin ce ballon blanc et noir, ça fait 3 ans qu'on joue au même ballon. Voilà, Sandrine Ball, merci. En tout cas Club, merci. Merci pour tous les Dream Ball qu'ils nous ont offert pendant ce mois d'anniversaire, c'est dingue. Entre le 24, entre le 31... On a eu beaucoup de Dream Ball, les gars. On a eu beaucoup de Dream Ball. On a été gâtés comme pas possible. Donc ça aussi, il faut le saluer, les gars. On est toujours là à les taper dessus. Il n'y a pas de problème. À juste titre, il n'y a pas de souci. Mais quand il faut dire les choses bien, là, pour moi, on est clairement dans l'un des meilleurs anniversaires du début du jeu, quoi. En tout cas, les 3 ans ont été marqués au fer rouge. On va récupérer les cadeaux. Voilà, moi je récupère toujours tout. Comme ça, au moins, c'est vidé. Hop. Voilà, 821. Voilà, 21. Donc voilà. Oui, pour le PVP. Pas de souci. Voilà, les missions. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Ah oui, c'est la Confédération. En plus, j'ai encore 5 Dream Ball à récupérer. Il faut que je fasse mes 3 matchs ligue. On est bien, regardez. Hop. Encore 3 matchs ligue et j'ai mis 5 Dream Ball. Donc voilà. Donc avant de commencer, on va aller voir les news qui arriveront demain. Il y a des news demain. Donc il y a le time attack avec le Shun Kosho. Donc moi je vais faire le time attack pour essayer enfin d'avoir l'aspect de Müller. Voilà, je vous cache pas.
Bon, boutique, marché, mise à jour du marché médaille en ligne. Donc, l'event à points qui a commencé hier, comme on a pu récupérer des Dream Ball encore, ça faisait plaisir. Le Shunko-Sho, comme je vous ai dit il y a quelques instants. Le mini Super Dream Fest qui s'est terminé, qui s'est bien passé pour moi. Je suis très content d'avoir eu enfin le beau gosse Santana V2. Et voilà. Bon, bah, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a une spé gratuite par jour. Et je crois qu'elle est SSR garantie, je crois. Ah oui, c'est ça. On va voir les marchés qui sont dispo. Prenez, les gars, prenez des chips, prenez un coca, tranquille. On va y aller en mode tranquille, on n'est pas pressé. D'accord, donc tac tac tac. Ah, ouais, un petit pack qui peut être sympa, c'est vous qui voyez 2 euros. 2 euros, ça vous fait 16 Dream Ball et des ballons SSR. Voilà, ça coûte pas très cher. Ça vous fait des DB payés. Et voilà, c'est vous qui voyez. Et les éternels ici, les 5 DB à 50 centimes. Donc pour 3,50 euros, voilà, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. Vous êtes 16, 16 et 15, on est sur 31 Dream Ball payés. Pour 2,50 euros à peu près. C'est ça? Non, 3,50 euros, pardon. Ok. Donc médaille en ligne, on va prendre le ticket SSR. Voilà, de toute façon on prend. Voilà, merci. On prend les tickets max. Voilà. On fait les courses, comme dirait notre ami Atsushi. Grosse bise à Atsushi d'ailleurs. Le frérot. Donc là on est pas mal. Là on est pas mal. Hop, allez. On va aller voir les beaux gosses. Apparemment, ils sont fous. Ils sont fous, les beaux gosses. Ils sont fous. Donc, apparemment, pendant, je crois. Attends, je sais plus combien de. Je sais pas si c'est pas une multi ou une multi par jour. J'ai oublié. J'ai vu. Ou non, je crois que c'est une multi avec un SSR garanti dedans, je crois. Attends. On va voir un peu peut-être ici. Ah, voilà, c'est ça. Non, non, c'est juste. Non, ok, c'est une fois. Voilà, tu fais un recrutement et ah oui, d'accord, il y aura un SSR à choisir. D'accord. Bah attends, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le pool. En tout cas, Club a vraiment réussi à nous mettre dans la hype, hein. C'est un truc de ouf, ils ont réussi à nous mettre dans la hype. Donc j'ai déjà lui qui j'ai pas. Par contre Chester, pourquoi pas? Chester, Thauram, je veux. Thauram, je veux complètement. Davy, Juventus, ouais, KHS, oui, Levin, oui, Santana, Valence V2, pourquoi pas, Rivaud, je l'ai. Donc voilà. Ah, il n'y a que ça? Il n'y a que ça? D'accord, bon, bah, écoute, ok. Et bon, on est parti, les gars. On est parti. On est parti, on est parti. Avant de faire le Super Dream Fest, on va faire cette multi juste avant. Peut-être que ça va me donner un peu de hype. 7 jours, il va durer le Tsubasa, enfin le Super Dream Fest, Tsubasa V3, le premier joueur à avoir son V3, mais qui n'a jamais eu de Dream Co. C'est le seul, enfin je crois que c'est l'un des seuls rares joueurs, bon, il doit en avoir plusieurs, mais on va dire le genre majeur de cette licence qui n'a toujours pas eu de Dream Co. Tout le monde a eu son Dream Co, tous les joueurs majeurs du manga ont eu leur Dream Co. Même il y en a, ils ont eu même des Dream Co V2. Tsubasa n'a jamais eu de Dream Co. Je vous cache pas que c'est lui, hein, que je cherche. Hein, c'est vraiment le Naturezza. Donc voilà. Hop. Ok. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les courses à faire. Avant de faire les courses ou quoi, on va vider la box après. J'aurais peut-être dû faire ça. Oh, j'aurais dû faire ça. Je sais, je vous fais mariner. Bon, vous avez dû mettre avance rapide jusqu'au pool. On va vider la box. De toute façon, j'ai beaucoup vidé la box, hein, je te cache pas. Donc Coca tranquille. Hein. Après, moi franchement les gars, ça serait bien de pas avancer la vidéo. Laissez-vous la surprise les gars. Laissez-vous la surprise. Voilà, laissez-vous la surprise. Faites comme si que j'étais en live quoi. Faites comme si que j'étais en live. D'ailleurs, peut-être que je vais mettre en première la vidéo. On va peut-être la mettre en première. Ok, donc 349 places, donc on a 150 joueurs.
C'est ça, si je compte bien. Ouais, c'est ça, 151 joueurs. Ok. Allez, on va aller voir on va aller voir enfin les deux beaux gosses. On va aller, enfin aller les voir, les découvrir. Je les ai un peu vite fait vus. Les stats en détail, parce qu'on avait déjà commencé lors de la vidéo mini sur Dreamfest, hein, que je vous invite à voir. Je vais vous mettre le petit i en haut. D'ailleurs, regardez, je suis avec. Voilà, mon overlay veut tout dire. Voilà. Naturenza là, voilà. Et le Tsubasa là. Voilà. Allez, le premier qui me tombe sous la main, le beau gosse, Tsubasa, il est là. Après, c'est vrai que le Genzo dans le rate-up me donne envie. Il est vert, milieu offensif, pas d'attaquant. Le joueur qui ramène l'équipe à la vie. 1206 en endurance, c'est pas mal, c'est très fort. 28 255, très très fort. 9125 en dribble, 9592 en tir et 9538 en passe. Un monstre. C'est un monstre. Voilà. 23 345 en défense, 8 388 en tacle et 8 600 en interception. Très très fort. Le contre OSEF complet. On s'en fout du contre. 8 352 en puissance. C'est très très fort. C'est très très fort. 7 000 en rapidité et 7 700 en technicité. Ballon haut et ballon bas, bon. Donc c'est très très fort. Voilà. La carte est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, super cohésion club vert, plus 1%. Donc là, c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment dans du Jap. Mais le Jap, on va voir après dans dans les liens. Créateur d'occasion, donc voilà. Donc, il va pouvoir bouger le joueur qui va réceptionner la passe. Voilà. Donc, quand lui va être en duel, donc si vous choisissez la passe, vous allez cliquez sur un joueur à qui vous voulez faire la passe. Si vous voulez bouger un petit peu pour qu'il se démarque d'un défenseur un peu collant, vous pouvez. Voilà. La légende de Catalogne, 535. Le tir le plus puissant de Tsubasa. Et je crois peut-être. Je ne sais pas s'il est plus puissant que celui de Santana V2. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le deuxième ou voire le premier plus gros tir du jeu. Par contre, il va falloir Rivaul, forcément. Et ne perd pas d'élan lorsqu'il est utilisé dans une position éloignée. Donc spé angle. Nouveau Golden Duo avec Rivaul. Voilà. Voilà. Et passe feuille morte voltante. Donc moi ce que je lui mettrais c'est un tacle. Une interception. L'interception ailée. Elle est juste. Elle est magnifique l'interception ailée. Je lui mettrais une interception ailée ça. Pourquoi pas aussi un deuxième tir. Pourquoi pas un deuxième tir seul. Et un dribble. Et un dribble, voilà le dribble sud-américain ou le dribble snowboard. Si vous avez le dribble snowboard en doublon, le dribble du Rising Sun en snowboard, ouais, c'est plus, je crois que c'est plus puissant et c'est le plus stylé en plus. C'est le plus stylé. Donc voilà à peu près qu'est-ce que je ferais comme spé. Hein, voilà. Après, je vous laisse réfléchir. Regardez plutôt peut-être plus la vidéo de Mitch qui va peut-être vous aiguiller pour mettre les spés qu'il faut pour ce monstre. Lien 2,5% pour tous les joueurs club. Facile à prog. Parce qu'en plus, il ne parle pas de club européen, il parle de club tout. G-League, Europe, tout. 1,5% pour tous les. Il faut 6 joueurs Jap. Ça. Donc là, par contre. Je dis pas que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais c'est un choix. Donc c'est pour celui qui joue Jap, lui, ça n'a pas de problème. Jap et club, c'est bon. Ce Tsubasa, il lui faut. Il faut ce Tsubasa-là. Donc, dernière force d'une montée d'adrénaline. Donc, moins il a d'endurance et plus les paramètres augmentent, 20% max. Courage, tant qu'il lui reste un d'endurance, il peut utiliser une TS. Et quand Tsubasa fait une passe à un attaquant ou à un autre joueur, paramètre plus 5% sur ses stats. Très fort. Non, très fort. Il va falloir les médailles Tsubasa, Tsubarsa, le Genzo Hambourg et le Iyawa coffre. Très fort. Très très fort. Naturezza Real Madrid. Enfin, il est là. Depuis le temps qu'on l'attendait avec son dribble au rebond. D'ailleurs, je vais vous faire montrer le dribble au rebond, tout à l'heure. D'ailleurs, je veux, ouais, non, j'ai dû vous mettre le passif de Tsubasa quand j'ai parlé du passif. L'illustration, voilà. Rouge. Ça me dérange un peu. Donc, Naturezza V2.
Voilà, ce DreamFest V2 rouge. Je voulais qu'il soit vert parce que je joue sur une base verte. Mais je vais essayer de trouver un truc. Je vais essayer de trouver une parade pour qu'il joue quand même. Le numéro 0, technique divine. Attaquant, milieu offensif. 1214 en endurance déjà. Il bouffe tout bas ça par rapport à ça. 29 336 en attaque. 10 024 en dribble. 10 168 en tir. 9 144 en passe. On s'est pas foutu de notre gueule, les gars. On s'est pas foutu de notre gueule, les gars. 7 806 en tacle. 10 048 en interception. C'est la première fois que je vois un joueur avec des stats pareilles, quoi, qui dépasse les 10 000. Et c'est pas un ou deux, c'est 3. 3. 8 316 en puissance, 7 100 en rapidité et 7 400 en technicité. Donc pour moi, pour l'instant, en termes de stats purs, le Naturezza le défonce tout bassin. Et vous comprendrez pourquoi dans le manga, parce que bon, Naturezza fout la misère à tout bassin. Au moins 5 joueurs club de type rouge, 20%. Donc nouvelle méta. Voilà, ça va être plus les clubs, mais il y a plus de non-jap, jap, je sais pas quoi. Donc tant qu'il est club, c'est bon. Donc peut-être qu'il y aura des joueurs qui n'ont pas eu encore leur carte club. Par exemple, je pense à Bounak, je pense à d'autres joueurs de G-League aussi. Bah, à part de G-League, il manque les Wakashimazu, il manque le Shizaki Jubilo qui joue dans le même club que Misaki. Il y a aussi le Urabe, etc., etc. Il y a encore des joueurs, encore de Léo EPP, Okashima Antlers, etc., etc. Interception automatique 100%. Il n'y a pas de 80. 100%. La balle, elle passe au-dessus de ta tête, il intercepte. C'est fini. Et bien évidemment, ça ne coûte rien en stam. Contre Naturezza, donc tire seul. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Naturezza, parce qu'il est seul. 510, ça fait très très fort. 470 en stam. Voilà, il ne perd pas d'élan lorsqu'il utilise d'une position éloignée. Dribble rebond. Donc voilà, j'ai dû vous mettre l'illustration quelque part. Le dribble du rebond, magnifique. On dirait vraiment un basketteur qui dribble son joueur, magnifique. De toute façon, Naturezza, généralement, ses spés sont magnifiques. Et l'interception éclair qu'on connaît très bien, il n'y a pas de problème, on connaît cette interception. Pas de souci là-dessus. Allez, on va aller voir les liens. Donc 2,5% pour tous les joueurs, au moins avec 3 joueurs club. Donc ce que j'ai actuellement, j'ai le Bruno et j'ai les 2 joueurs parisiens. Juste pour citer eux. 1,5% pour au moins 6 joueurs non Jap. Donc c'est ce que j'ai. Donc je joue non Jap, donc facile à prog. Donc les 4%, je les ai. Les 4% en ligne, je les ai. Pleine puissance. Il prend 15% sur ses stats de monstre qu'on vient de voir, le cochon. Il récupère 80% d'étourdissement. Il se réveille direct et tire angle raid. Donc moi, je mettrais le tir du Dreamfest. Voilà, le tir du Dreamfest en deuxième tir. Ça serait bien. Ça serait bien. Médaille. Naturezza, Dreamfest, le Tsubarsa et le Yawa. Bon, bah voilà, les gars, on y est. Hein. On y est. Hein. On y est. Avant ça, on va lancer un petit peu la sauce. Attendez. Attends. On va lancer les tickets SSR. On va voir. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme d'habitude. On lance la machine. On lance la machine à sous. C'est bien. Ouais, c'est bon là. Bon, ça va être un ancien, encore un ancien. Bon, en plus, c'est le dernier. Bon, voilà. Ça ira au mixeur. Donc le mixeur reste encore. Hein, si vous êtes fait shaft, il y a moyen de rattraper un peu avec le mixeur. Bon, il n'y aura pas de Dreamfest, mais voilà. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Et en plus, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez pu voir hein, tous mes vidéos recrutement, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je serais un peu déçu si j'ai pas un des deux. Surtout le Naturezza. Parce que c'est vraiment celui que je vise. Mais je me dis que le jeu m'a gâté dernièrement et m'a donné les joueurs que je voulais. Donc, je serais déçu, mais pas, je déprimerai pas, quoi. Je ne déprimerai pas. Il faut pas oublier, les joueurs vont revenir. Voilà, c'est pas des joueurs exclusifs, ils reviendront, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, on va faire le ticket SSR. Voilà. Espérons au moins un SSR que j'ai pas, mais pas un ancien. On coupe. Ok. Day One, le mec. Day One. Ok. Bon, on est parti.
Allez, on est parti. Je vais faire la moitié. Je fais celle-là. Allez, on va faire celle-là. Ça sera fait. Comme ça, on choisira ensemble. Ah, comme ça, je choisis! Ah, Toram. Ah, Toram, frère. Toram direct. Ah, c'est la première fois quoi. Tu sais, je m'attendais une truc. Non, non, Toram, Toram. Toram direct. C'est vrai que le KHS, c'est pas mal. Mais le problème, KHS, il te faut Levin. Et là, j'ai pas de Levin super fort. Super fort. Tueur de compte, non, Jap, bleu. Mais de toute façon, j'ai tous les leads. Je crois que j'ai tous les leads de toutes les couleurs, donc il n'y a pas de problème. Ah, le KHS. Ouais. Mais le Thoram, frère, il est ouf. Le Thoram, il est ouf. Thoram, il est ouf, frère. Attends, tacle 9000 contre 8000. Puis s'il donne non Jap, ouais, comme le. Non, je prends Thoram, frère. Je prends Thoram. Thoram, Thoram. Tueur de tir. Tueur de tir. Tueur d'endurance. La neige. Le lien, il donne combien? Ah, il faut des joueurs type vert. Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Ouais. Bon, lui, j'ai Balek. Je l'ai pas, mais je m'en fous. J'ai. Non, 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 Toram. J'ai aucun Toram. Allez, Toram. C'est pas grave. De toute façon, tous ces joueurs-là viennent. Mais c'est un truc de ouf. Comment tu choisis? Ce serait bien de choisir comme ça à chaque fois. Oh, c'est joli. Mais là, du coup, il n'y a pas de suspense. En fait, il n'y a pas de suspense, en fait. Il te le donne, ça y est. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Ah, je suis content pour le Thoram. Puis je crois que je dois avoir peut-être des spé, je crois, d'un Thoram coffre. Ou pas, je sais même pas s'il y a eu des Thoram coffre. Bon. L'heure est venue, les gars. L'heure est venue. Allez, première rota. Premier rota. Il y aura sûrement une deuxième partie du recrutement du Super Dream Fest. Premier rota. Allez. Chance de pigeon, flèche orange. Ok. Naturezza. Normalement, c'est bon. Oh! 3! Direct! Direct! Pas enfin, possible! 3! Bon, j'ai eu le write-up Akai, pourquoi pas? Ouais. Ouais, j'ai eu 3, frère! Wow! Première multi, quoi! C'est quoi ce. Ça bug un peu. Non. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Passe folle, ouais, si tu veux. Oh! 3 d'un coup! Ouh là là, les gars, on est parti peut-être sur des bons chapeaux de roue, là. Mais j'espère que toute la luck n'est pas passée. Wow! Franchement, j'y ai cru, Naturezza. J'ai vu les trois, j'ai dit non, Naturezza, il est dedans. Il est dedans. Il est dedans. Allez. Wow! Je crois que c'est la première fois que j'ai trois. Ou peut-être pas, ou peut-être ça m'est arrivé tellement. Non. J'y ai un peu cru, hein. Je te cache pas que j'y ai un peu cru. J'y ai cru. Ouais, désolé les amis, je sais pas pourquoi mon jeu il bug, j'aurais peut-être dû redémarrer le jeu ou mon PC. Crois que toute la luck est partie sur la première multi, les gars. Je crois que toute la luck est partie sur la première multi. Bon, j'ai eu un Dream Fest que j'avais pas en plus. Mais là, je te cache pas qu'il y a beaucoup de risques. Hein. Y a beaucoup de risques. Allez. Ouh loulou loulou loulou. Bon. Normalement, c'est bon. Allez, le Naturezza, n'en parle plus. Allez, tellement Naturezza, on n'en parle plus. Je te laisse tranquille après. Je te laisse tranquille. Ike, vas-y, lâche. Bon, ok, 1. Purée, et 3 multi, 4 SSR. Hein. Allez, le Naturezza, fais. Naturezza, s'il te plaît. T'as, il bug le jeu. Il bug. Il bug. Allez, la gratuite.
C'est dingue, hein, tous les cadeaux qu'ils nous ont donnés, Clap. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Là, c'est pas dingue. Bon. Ah, j'y crois pas, la première multi. 3. 3, c'est un truc de fou. Donc, on est parti sur... attendez, on va ressortir rapidement. Rapidement. Là, je t'avoue que la vidéo, là, j'aime pas trop comment elle se présente parce que le jeu n'est pas fluide. Je sais pas pourquoi il saccade en ce moment. Je sais pas pourquoi il saccade. Pourtant, je sais pas, c'est bizarre. Attends. Je ferme ça. Direct, il y a un truc qui pompe un peu mes ressources. Je sais pas, peut-être c'est BlueStack qui fait que le jeu est... fait n'importe quoi. Putain, j'y croyais au naturel de ça après un multi. Franchement, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. Je te cache pas que j'y ai cru. J'y ai vraiment cru. Bon, j'ai eu le Akai, hein. C'est bien Akai. En plus, premier joueur direct. Premier joueur direct. On va supprimer, hop, les SR. Voilà. Ne pas faire de conneries, parce que si je mets des SSR, je suis dans la merde. Pardon. Ok. Allez, on est sur une sortie du jeu. On repart. Non, content du Thoram. Hein. Très content du Thoram. Bon, il est bleu, mais bon. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, Naturenza, il est là. J'ai pas dit aussi si j'ai le Diaz doublon. Ce sera pas une trop déception parce que j'ai envie de récupérer sa frappe pour le donner au Diaz Boca Junior que j'ai drop dernièrement. Donc voilà. C'est un truc de fou. 3 d'un coup. Putain. C'est rare pour moi. C'est très très rare. J'y ai cru. On skate, enquête. Enquête. On va faire le 3 fois. Je sais pas pourquoi il fait ça le jeu. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aime pas trop cette rotation. Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Rien. Putain, il m'aurait donné Naturezza. Dès la première multi, ça aurait été dinguissime. La vidéo, elle aurait été dingue. Elle aurait été dingue, la vidéo. De toute façon, je sais ce que je vais faire. Peut-être que... à la fin de cette rotation, je vais peut-être redémarrer mon PC et reprendre. Parce que là, je sais pas pourquoi mon jeu il est pas fluide, ça m'énerve. Pourtant, j'ai un PC de la mort. Et. Ok. Oh putain, j'ai rien. Oh, j'ai rien. J'ai rien. Bon, là, je crois que c'est la multi gratuite. Là, je te cache pas que je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas très bien en fait. Au début, ça a commencé très très fort. Oh bordel. On a 0 SSR hein, sur cette rotation, je crois. On a 0. Je vais pas me plaindre, hein. Je vais pas me plaindre. Donc là, on vient de claquer 300 Dream Ball. 300 Dream Ball. Donc là, on peut refaire encore une dernière. Je vais faire une dernière rota et on va voir comment ça va se présenter. Là, je faisais le kéké au début de vidéo. Là, je le fais beaucoup moins. Après, c'est un joueur qui va retomber. Hein, vous inquiétez pas. Hein, mais c'est vrai que on aimerait bien la voir, quoi. On aimerait bien la voir quand même. Oui, c'est bon là.
Allez, Roberto, donne-moi ton enfant prodige, s'il te plaît, Roberto. Roberto. Roberto, t'aurais pu m'éclater éclater un deuxième, toi. Allez, s'il te plaît, allez. Allez. Doublon. Dommage, un rate up. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est bien, il y en a, ils vont me dire, ouais, Letko, c'est bien, mais... Ouais, dommage. Allez. Non. Toute la luck est partie sur la première multi, les gars. Toute la luck est partie sur la première multi. Il m'a donné deux rate up. Mais pas le bon. La dernière payée. Après, on va essayer de voir comment on va voir. On va essayer de se poser les bonnes questions. Parce que là, j'ai fait 3 rotas. 4 pigeons. Flèche verte. On l'a. Allez, Naturezza. Donne-moi ta belle carte. Allez. C'est bien, mais... T'es en train de me donner tous les rate-ups, mais pas le bon, mon pote. C'est bien, je le voulais, le Pierre. Je le voulais, mais... En plus, je kiffe son tir. Le tir harmonieux... Je m'occupais de lui, du Pierre Dreamfest V2. Ouais, mais c'était pas toi que je voulais, mon pote. C'est pas toi que je voulais. Là, pour l'instant, il m'a donné tous les joueurs rate-ups que je voulais pas... C'est dommage. Pour l'instant, là, c'est dommage. Je vais garder la tête froide. Donc là, c'est la dernière gratuite. Pour l'instant, je suis bien. Je peux pas me plaindre. C'est impossible que je puisse me plaindre. J'ai 3 Dreamfest, du rate up, mais c'est des doublons. Donc, bon, à part le pire. Mais... Flèche verte. Non. Bon, on va faire un point, les amis. On va vider un peu la box. On va faire un point. Peut-être que je vais laisser passer peut-être quelques jours. Voilà, je vais farmer des Dream Ball. Et on donnera un dernier coup de collier. Voilà, le dernier jour. Peut-être que c'est pas le bon jour. Voilà, peut-être que c'était pas le bon jour. Peut-être que ce sera plus tard. Voilà, 370 Dream Ball. Il y a moyen d'avoir 400. Voilà, 400. Voilà, je peux encore faire 2 rotas. Pour faire 3 rotas, c'est 450. Donc il y a peut-être moyen. Ouais, c'est dommage, hein, il m'a donné tous les. C'est vraiment dommage. Mais je peux pas me plaindre en même temps. En même temps, je peux pas me plaindre. Mais j'y crois. De toute façon, je vais forcer jusqu'au bout. On va essayer de la voir et voilà. Ou peut-être que je ferai une vidéo un peu avant. Je sais qu'il y a les 50 Dream Ball qui vont arriver, donc j'aurai 420. Donc il me restera 30 Dream Ball. Ouais, donc on aura les 450 pour faire 3 rotations. Donc ça nous fera 4 et 4, 8, 12 multi. Donc je pense qu'on va se donner rendez-vous pour la partie 2, les amis. Pour aller chercher le Naturezza. Il faut garder la tête froide, il faut être tranquille. Faut pas. Moi, je prends le conseil de Mitch. Mitch avait fait un super conseil lors de son dernier live, qui disait voilà, si ce jour-là tu vois que tu l'as pas, peut-être que tu l'auras un autre jour. C'est un jeu qui est basé sur le temps, tout bas ça. Je suis pas loin d'être d'accord comme Mitch. Donc voilà, donc j'ai quasiment eu, enfin, en fait voilà, j'ai eu le Akai, j'ai eu le Saninas et j'ai eu le Pierre.
Eh ben, il manque plus que maintenant l'Argentin et le Brésilien. Voilà. Je pense que je vais attendre tranquille. Voilà, il me reste encore 5 Dream Ball à récupérer avec les bonus hebdomadaires. Et voilà, tranquille. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bah, quand on aura récupéré les 50 Dream Ball, je vous ferai la dernière vidéo, dernière chance entre guillemets, pour avoir le Naturezza. Si on l'a pas, tant pis, c'est pas grave. Ça se trouve que si je fais. Ça se trouve, si je fais une ou deux rotas sur le Tsubasa, je vais l'avoir, ça se trouve. Mais je joue pas le Tsubasa, je vais pas forcément le jouer. Donc voilà, peut-être que si, je sais pas, il faudrait que je regarde, je vois. Bref, les amis, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. On n'a pas eu le genre qu'on souhaitait, mais c'est pas grave, on a été gâtés. On a été gâtés. Et j'espère que vous avez eu le genre que vous voulez, que vous visiez. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Letko. Ciao!